Là-dessus, allons retrouver notre collaborateur Stéphane Bureau en direct de Paris. Bon jeudi soir, Stéphane. Salut, Pierre-Olivier. On va se parler des affaires judiciaires de Donald Trump au pluriel, à commencer par le dossier Washington, ce dossier qui concerne les accusations sur l'assaut du Capitole. Donald Trump cherche à obtenir l'immunité judiciaire et là, la Cour suprême va prendre du temps à examiner la question, puis ça, c'est à son avantage. Oui, certainement. Puis à la lumière de ce qu'on a entendu ce matin, des plaidoiries qui ont été attendues à la Cour suprême, on peut penser qu'il y a une courte majorité, 5, peut-être 6 juges, qui estiment que cette idée de l'immunité présidentielle présentée par les avocats de M. Trump est absolument pas farfelue. Plus encore, il y a un de ces juges, le juge Kavanaugh, qui pense que c'est une décision fondamentale pour la Cour suprême qui risque d'avoir un impact durable sur l'institution de la présidence. Donc, effectivement, il ne sera pas pressé. Si, effectivement, on donne raison aux avocats de M. Trump, ça signifie que la stratégie du procureur spécial, Jack Smith, est très, très, très mal en point. Ça va avoir un effet en cascade sur les autres affaires en Géorgie et en Floride, parce qu'il va se drapper de cette immunité présidentielle. Ça questionne la stratégie du procureur Smith, encore une fois, qui avait choisi, dans une volonté peut-être de faire un coup de circuit, d'inculper Donald Trump en sa qualité de président, sa qualité officielle de président et non pas de citoyen. Et on voit qu'aujourd'hui, ça vient lui mordre le derrière. Ouais. Est-ce que le président est intouchable? C'est la question à laquelle va répondre la Cour suprême. Autre dossier, procès criminel à New York dans l'affaire Stormy Daniels. C'est à se demander, est-ce que Donald Trump cherche à provoquer la justice, à provoquer le juge pour éventuellement se faire passer les menottes? On peut se poser la question parce qu'il est tenu au silence, il y a un bâillon, il ne peut pas parler des jurés, il ne peut pas parler du juge, il ne peut pas parler des éventuels témoins qui lui feront face. Puis dans certains cas, c'est un problème parce que, par exemple, Michael Cohen, qui va se retrouver dans le box des témoins, ancien avocat de M. Trump, est présent sur toutes les tribunes depuis quelques jours, montre du doigt son ancien patron, l'accuse. Or, quelle marge, quand tu es président des États-Unis, as-tu pour ne pas répondre? Mais au-delà de ça, je crois que M. Trump veut être mis à l'amende et, à la rigueur, aimerait être condamné à une nuit ou deux en prison parce qu'il respecte pas le bâillon. Ça serait de la télé-réalité en or. J'essaie juste d'imaginer l'ancien président qui dort en prison. C'est politiquement payant. C'est paradoxal. Oui, ça serait extraordinairement payant parce que c'est possible. Je pense que le juge n'est pas dupe. Alvin Bragg, le procureur non plus à New York, n'est pas dupe. Mais est-ce qu'il y a une tentation pour M. Trump de piquer la susceptibilité du juge? Je pense que oui. Ça va être intéressant à surveiller. Puis parlons de l'économie américaine parce que c'est un enjeu de fond pour l'élection présidentielle. Et là, des indicateurs au rouge pour Joe Biden. Mauvaise nouvelle pour M. Biden, en effet, parce que les chiffres sur le PIB sont bien en deçà de ce qui était attendu. L'inflation est têtue, entêtée. On se retrouve dans ce scénario de stagflation où on ralentit l'économie, mais avec l'inflation, la Banque centrale ne pourra pas, comme on l'espérait, baisser ou ne pourrait pas, comme on l'espérait, baisser les taux d'intérêt. À quelques mois des présidentielles, quand on sait que les Américains votent avec leur portefeuille, c'est une très, très mauvaise nouvelle. Ce sera aussi à surveiller. Puis en terminant, tiens, un clin d'œil, Stéphane. Tu es à Paris, tu n'es pas très loin du Moulin Rouge, une institution. Et que se passe-t-il avec le bâtiment? Ils ont eu quelques problèmes apparemment, mais les affaires, malgré les apparences, continuent de tourner parce que ce n'est pas fermé. Ils ont perdu leurs ailes, ils ont perdu leurs pales la nuit dernière à 1h45. Personne n'a été blessé. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas le Front de libération des moulins à vent qui est responsable. C'est un problème technique. Tout devrait rentrer éventuellement dans l'ordre. Il ne reste que le lin rouge. Le mou est tombé, mais pas de coup de mou ce soir. Les spectateurs sont au rendez-vous. Le temple du burlesque demeure ouvert. Sur ce, Stéphane, bonne soirée. Et je te demande pas si tu prévois faire un arrêt là-bas. Ça t'appartient. Petit coup de cancan.